Salut les métalleux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, ça y est, enfin, on va faire ce tirage de concours. Ça fait 3 jours, là, on est le 16. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, en tout cas, peut-être aujourd'hui, demain. On va se faire vraiment le tirage. Alors, je tiens à rappeler qu'il y avait un concours sur la chaîne. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, en tout cas ceux qui voient la vidéo. Il y a des concours qui sont organisés assez souvent sur la chaîne pour gagner quelques objets. Mais pour ça, il faut être abonné à la chaîne. Donc oui, si tu t'abonnes, il y aura des concours, voilà, par la suite pour les précédentes vidéos. Donc il faut bien suivre la chaîne pour quand j'annonce les concours, voilà, etc. Donc pour ce concours-là, il y avait exactement une pédale déjà de distorsion, la Ultra Metal. Donc on verra qui est le gagnant. Ça, c'était le lot numéro 1. Donc le premier qui sera tiré au sort gagnera la pédale Ultra Metal neuve, celle que j'en parle tout le temps dans mes vidéos. J'en fais la pub pour celle qui va la gagner, enfin celle ou celui qui va la gagner. Je lui enverrai s'il veut, en tout cas, ou si elle veut, mes presets que j'utilise de base, voilà, qu'elle puisse avoir le même son que moi en fait, que j'utilise dans mes partoches métal. Pour la deuxième personne qui sera tirée au sort, il y avait des cordes de la marque Ernie Ball à gagner. Et alors là, on est sur un tirant de 11,48. Donc un petit tirant de 11,48, ça va permettre de se mettre en bon drop et voire même un ton en dessous. Franchement, ce serait préconisé avec ce paquet de cordes. Et on a des médiators de chez Thomann, voilà, les médiators où il y en a plusieurs à l'intérieur. C'est des Harley Benton, donc il y a plusieurs tailles. On a du 2x46, 2x71, 2x81, 2x96. Après, on passe sur du 2x120 et 2x150. Moi, en médiateur, j'utilise tout le temps les 0,96. Ils sont super, voilà, c'est avec ce que je joue du métal ou la guitare tout court avec. Franchement, j'ai trouvé les médiateurs qu'il me faut, c'est en 0,96. Donc voilà, vous avez le choix avec plusieurs tailles, ce qui va permettre en fait avec des 0,46, etc., de jouer sur des acoustiques, de passer, voilà, avec le 96 un peu plus métal. Et si vous préférez encore du plus dur, voilà, vous avez le choix avec ces médiateurs-là. Donc franchement, c'est un petit set qui est super sympa. Ça va vous permettre de trouver le médiateur adapté à votre main. Et pour le troisième gagnant, c'est un petit peu la même chose, mais différemment. Donc on va passer sur, pareil, un petit paquet de Ernie Ball. Donc ça, c'est cool. Moi, franchement, je les préconise souvent parce que je les utilise pas mal. Voilà, là, genre, j'en ai acheté un autre il n'y a pas longtemps pour les monter sur une gratte. Vous allez voir la vidéo bientôt. Et donc du coup, 9,46 avec ce petit paquet, c'est nickel de chez Ernie Ball. Franchement, ils sont impeccables, ces petits paquets. Et donc ça permettra un accordage standard. Et pareil, donc le jeu de médiator qui te conviendra. Donc c'est pareil, il y en a plein à l'intérieur. Donc avant tout ça, j'ai noté vos noms tous ici. Donc voilà, il y a tout ça. Voilà. Il y avait tout ça. Donc ensuite, il faut que je découpe un par un et que je les mette dans El Casserole Magic. Voilà, parce que comme vous savez, quand je tire le concours maintenant, on va s'habituer à la petite casserole. Voilà, parce que maintenant, je tire tout le temps dans la casserole. C'est plus rigolo en tout cas. Moi, je trouve que c'est plus sympa pour la chaîne. Voilà, donc on va tirer tout ça dans la casserole. Donc c'est parti pour la découpe. Je mets tous vos prénoms à l'intérieur et c'est parti pour le tirage. Je sens que ça va être long, un truc de ouf. Donc ça y est, je viens de découper tous vos prénoms, ils sont tous là, voilà, donc il y en avait une quarantaine. Et donc maintenant je vais les plier un par un, les foutre dans El Casor, et ensuite on va faire le tirage. Regardez qui c'est qui gratte à la porte pendant que je fais mes vidéos. Hein mon titi, tu dis bonjour? Dis bonjour à la caméra. Fais comme les métals. Ouah ! Oh mon titi ! Allez, retourne jouer. Donc ça y est, voilà, je viens de poser le chat et y a tous vos prénoms. Bah en fait, une quarantaine de prénoms dans une casserole, ça fait vraiment pas beaucoup. C'est marrant, mais en tout cas, il y a bien tous vos prénoms. J'ai rien perdu, j'ai bien gardé, je n'ai rien perdu. Il y a bien les 40 prénoms, donc c'est parti. On va se faire la petite touillette, comme tu le sais, au KLM. Voilà, bon, on va touiller tout ça. Donc là, ça tourne, ça tourne. Et ça tourne bien d'ailleurs. Oh, il y en a un qui est tombé. Non, 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 c'est pas celui qui va gagner. Hein. Il voulait s'échapper, il voulait pas participer au concours. Voilà, je l'ai bien remis à l'intérieur. Donc voilà, tous vos prénoms sont à l'intérieur. Donc maintenant, c'est parti, je touille, je touille.
Impeccable, ça tourne. Et donc on va se tirer le gagnant, donc je ne regarde pas, voilà, comme ça au moins c'est fait. Hop, je tourne encore avec la main, je veux vraiment pas qu'il y ait de problème, donc vous voyez, j'ai vraiment la main vide, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, donc là je tourne. Et maintenant j'en prends un au pif, c'est parti. C'est le premier gagnant, je pose, comme ça on voit qu'il n'y a pas de trucage. Voilà, j'ai toujours le prénom du gagnant ici, qui va gagner la pédale ultra métal. Donc la pédale ultra métal, comme je vous le rappelle, elle sert pas à faire du métal, hein, réfléchis. Donc pour le gagnant, il s'agit de Sébastien Gaillet. Sébastien Gaillet, tu viens de gagner la pédale ultra métal. Alors je sais pas si ça fera le focus. Donc Sébastien Gaillet, tu es le premier gagnant de la pédale ultra métal. Donc je pose ton prénom ici, donc tu la recevras très vite. Voilà, donc je vais dire les modalités juste après pour qu'il n'y ait pas de soucis pour les envois, etc. On va tirer le deuxième gagnant, c'est parti pour le deuxième. Donc je touille, pareil, la même histoire. Hein. Il y a toujours vos prénoms à l'intérieur. Hein, ils sont toujours là, regardez bien. Il n'y a pas de trucage, tous les prénoms sont bien là. Je n'ai rien dans mes mains, je n'ai rien ici. Et c'est parti, on touille. Hop. Je ne regarde pas, je prends, je tourne encore comme ça. Regardez, j'ai rien. je tourne et attention, hop, voilà. Le deuxième gagnant est là, pas de trucage non plus. Donc celui-ci, il va gagner le paquet de cordes Ernie Ball en 11,48 avec les petits médiators. Donc qui est-ce? Loïc Ardel. Donc Loïc Ardel, tu viens de gagner ça aussi. Donc je sais, ça fait pas les focus, mais c'est bien toi, c'est bien Loïc Ardel, voilà. La prochaine fois, je les écrirai en plus gros les prénoms, ce serait mieux. Donc Loïc Ardel, je te mets sur le lot numéro 2, tu viens de gagner le lot numéro 2, ici. Et le troisième, donc c'est parti tout de suite pour gagner un paquet de cordes Ernie Ball. Donc celui-ci en 9,46, avec la paire de médiators également. Donc je les pose, je n'ai rien dans les mains encore une fois, voilà, qu'on me dise pas que c'est truqué. Je touille, il y a tous vos prénoms encore une fois, je touille, et le troisième gagnant pour cette troisième fournée et cette fin de concours pour les 500 abonnés, d'ailleurs je vous remercie à tous pour les 500 abonnés, c'est un truc de dingue, voilà, donc c'est parti, un prénom, voilà, c'est le dernier, et il s'agit de, attention, Jacques Yez. Donc Jacques Yez, je ne sais pas si pareil, je vais essayer de vous montrer, c'est compliqué. Donc Jacques Yez, tu viens de gagner le lot numéro 3. Donc je tiens à rappeler les lots qui ont été gagnés. Donc il y a eu la pédale ultra métal qui a été gagnée par Sébastien Gaillet. Donc ça c'est super. Tu as aussi en lot numéro 2, nous avons en gagnant donc Loïc Ardel. Donc on va pas se tromper. Et on a ensuite Jacques Yez qui a gagné le lot numéro 3, les cordes avec les médiators aussi. Donc pour tous les autres qui ont participé, c'est pas grave, il y aura d'autres concours. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé, franchement c'est génial. Donc n'hésitez pas pour les prochains, franchement, on va encore faire des lots comme ça. On va faire des trucs sympas. Donc n'hésitez pas franchement à participer pour les prochaines. Donc pour ça, il faut rester abonné. Et surtout, ben voilà, il faut suivre les vidéos et ça va le faire. Donc je suis désolé pour ceux qui ont perdu et je suis très content pour ceux qui ont gagné. Donc pour ceux qui ont gagné, tout simplement, il faudra me contacter via ma page Facebook. Donc si vous n'avez pas Facebook, c'est pas grave, vous pouvez essayer de me joindre si vous avez Instagram ou peu importe. En tout cas par Facebook ce serait le mieux, parce que voilà, ça permet qu'on peut discuter en message privé et donc les adresses ne se partagent pas sur YouTube, etc. Donc voilà, donc pas de message sur YouTube, vous m'envoyez directement via Facebook, ce serait franchement le mieux. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vraiment qui galèrent, écrivez-moi un petit message dans le YouTube et on essaiera de s'arranger en commentaire, on essaiera de s'arranger pour que vous puissiez qu'on puisse discuter et qu'on puisse envoyer les objets. En tout cas voilà, donc vous me contactez par Facebook, j'écris tout dans la description, et vous m'envoyez voilà votre nom, un prénom que je puisse bien vous envoyer l'objet, et une adresse, voilà, une adresse postale auquel je peux envoyer tous vos lots qui sont gagnés. En tout cas, je vous remercie à tous les amis d'avoir joué à ce jeu. Nous, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ça a été un petit peu long, un petit peu différent comme vidéo là, mais c'est vraiment les vidéos concours, c'est spécial, ça sort du lot de la chaîne. Bon les métalleux, on se dit à la prochaine. Merci à tous, vous êtes super. On est plus de 500 sur la chaîne, ça fait kiffer, mais on va continuer
On espère monter au 1000. Ciao!